Et yop tout le monde, je fais une petite vidéo rapide pour un unboxing, le fameux unboxing que j'attends depuis des mois, qui vient d'Australie. Je n'ai pas encore ouvert le. Enfin, voilà, donc vous pouvez voir, c'est un peu à l'arrache. Hein. Je vais le colis, il y avait plus d'emballage. Donc là, j'ai reçu Camponotus Consobrinus, donc une grosse Camponotus qui nous provient d'Australie. Vous pouvez voir qu'elle est sublime. Voilà. Sublime, sublime, et enfin, j'espère que ça va bien se passer. Le plus important, c'est comme ça. C'est un peu l'arrache, hein, je sais. Ouf, le tube est cassé. Elle est vivante, elle est vivante. Oh, regardez, waouh, ce monstre. Donc, le tube est un peu cassé. Regardez ça, regardez ça. Myrmicia, la Myrmicia que j'attendais depuis plusieurs mois. Oh, je suis trop fan. Voyez un peu comment elle est magnifique. Je vais la poser là. À côté de François Brunet, pour vous donner une idée de la taille du monstre. Oh, elle est énorme. Énorme. Elle est énorme. Bah, logiquement, il y avait des œufs avec. Mais comme la poste a traîné, et bah, elle a bouffé ses œufs. Malheureusement. Voilà, donc je voulais vous faire le unboxing, c'est fait rapidement puisque j'ai pas grand temps, mais au moins ça vous permet de les voir. Donc je l'ai reçu, je tenais à remercier la personne qui a fait la commande groupée, qui s'est pris la tête pendant des mois pour qu'on ait tous les fourmis qu'on avait commandées. C'est une fourmi qui a été commandée légalement, j'ai le certificat d'importation, d'exportation, enfin, comment on se place. Voilà quoi. Donc je suis vraiment content. Voilà, merci à tous, bonne journée, salut.